Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de ce jeudi. L'RDC veut remettre à plat ses différents contrats signés avec la Chine. Le chef de l'État, accompagné de la première dame Denise Nakeru Tshisekedi, séjourne pour la première fois depuis hier à Pékin en Chine pour une visite de travail de 4 jours. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va rencontrer son homologue chinois Xi Jinping. Il est aussi prévu une série d'échanges avec le monde économique chinois. Le détail au début de ce journal. Également au sommaire, les autorités rwandaises et le M23 bientôt devant la CPI. L'RDC vient une nouvelle fois de plus saisir la Cour pénale internationale pour ouvrir une enquête sur ce qui se passe dans l'Est. La plainte déposée par la ministre de la Justice Rose Mutombul à la Haye vise à poursuivre et à punir les responsables de ces massacres. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, lutte contre l'égalité du genre. Une série de campagnes de sensibilisation sera lancée en République démocratique du Congo dans les prochaines heures dans le cadre du programme Uni sur l'égalité du genre. Information livrée par la ministre du genre au cours d'un atelier organisé par l'ONU Femmes à Kinshasa. Vous l'attendrez à la fin de ce journal. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Je le disais, au sommaire, la République démocratique du Congo veut remettre à plat ses différents contrats signés avec la Chine. Le chef de l'État, accompagné de la première dame Denise Nakeru Tshisekedi, séjourne pour la première fois depuis hier à Pékin en Chine pour une visite de travail de 4 jours. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va rencontrer son homologue chinois Xi Jinping. Il est aussi prévu dans l'agenda du chef de l'État une série d'échanges avec le monde économique chinois. Plus de précisions avec Blandine Zouf. Pékin, ville empreinte d'une histoire de plus de millénaires, a accueilli sous un climat frais un hôte de marque. Il est exactement 22h20 heure locale, 16h20 heure de Kinshasa, lorsque le couple présidentiel atterrit ici, à l'aéroport international de Beijing. Sur le marche de la passerelle de l'avion présidentiel estampillé Simon Kimbangu, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nakeru Tshisekedi, vient de fouler pour la toute première fois le sol chinois pour une visite d'État sur invitation de son homologue Xi Jinping. Le président de la République est accueilli par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères et une poignée des officiels congolais. Avec ce périple chinois de 4 jours, le président de la République entend nouer un partenariat solide d'État à État et au-delà de tout, retrouver cette Chine qui a laissé ses traces indélébiles depuis l'ex-Zaïre. Le garant de la nation congolaise est d'autant plus motivé par la détermination d'approfondir l'amitié traditionnelle entre la Chine et la RDC, mais aussi promouvoir le partenariat stratégique entre ce pays continent qui vaut 3 fois plus que les 2 345 000 km² de la RDC. Dans la suite du chef de l'État, une forte délégation des officiels congolais, constituée d'une dizaine des membres du gouvernement et de son cabinet. Côté gouvernement, l'on note la présence de 2 vice-premiers ministres, celui des Affaires étrangères Christophe Lutundula et son collègue de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombon. Il y a également la ministre d'État à l'Environnement Eve Bazaïba, les ministres des Finances, des Mines, du Numérique et celui de la Communication et Médias font également partie de cette grande équipe qui accompagne la toute première tournée officielle chinoise du président de la République qui partira de Beijing à Hong Kong en passant par les villes de Shanghai et Shenzhen. Bientôt, le lancement de travaux de réhabilitation et modernisation des 3 groupes Dinga 2 en mission à Beijing en marge de la visite d'État du président de la République. Le directeur général intérimaire de la Société nationale d'électricité, Teddy Luamba, a reçu la confirmation du financement chinois devant permettre la récupération de plus de 180 MW. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux, Françoise Bouila et Gédéon Motombre. Après plusieurs moments de négociation, le projet de réhabilitation et de modernisation des plusieurs groupes à Inga vient de trouver du financement auprès de Senec, filiale du groupe chinois Simoc.
La particularité de la réunion d'aujourd'hui, c'était d'abord nous remettre officiellement l'accord de principe sur le financement qui a été clôturé avec la banque et surtout poser des jalons sur les prochaines étapes, notamment le recrutement d'un ingénieur conseil, recruter l'architecte. Nous avons une capacité installée de près de 2800 MW en RDC avec un indisponible de 518 MW. Récupérer 510 avec toute fiabilité, ça veut dire que c'est la qualité de notre desserte qui s'améliore, c'est la disponibilité de notre fourniture en termes d'électricité. C'est un coup de pouce que l'on donne à notre économie parce qu'il faut savoir que l'électricité, c'est un secteur porteur du développement de la RDC. Au siège du SENEC, le directeur général intérimaire de la SNEL, Teddy Luamba, a été rassuré du démarrage des travaux pour les groupes 3, 4 et 6 d'Inga 2. Nous allons faire de notre maximum avec toute notre diligence pour mener à bien ce projet. Aussi, on va faire une augmentation de puissance pour les trois groupes. Nous allons faire notre effort pour engager de plus des techniciens, des ouvriers locaux pour créer des emplois pour la population locale. Le coût global du financement, plus de 214 millions d'euros. La contrepartie congolaise est arrêtée à 15%. Les travaux vont durer 2 ans. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire. Les autorités rwandaises et le M23 bientôt devant la CPI. L'RDC vient une nouvelle fois de plus saisir la Cour pénale internationale pour ouvrir une enquête sur ce qui se passe dans l'Est. La plainte déposée par la ministre de la Justice Rose Mutombo à la Haye vise à poursuivre et à punir le responsable de ces massacres odieux. Plus de détails avec José Baïtouambre. La fin d'une aventure sanguinaire. Ils vont bientôt répondre de leurs actes, les éléments du mouvement du 23 mars et leur mentor. La République démocratique du Congo, représentée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kessé, a déposé ce mardi 23 mai 2023 une note de renvoi d'une situation nouvelle au bureau du procureur de la Cour pénale internationale, CPI, à travers le procureur adjoint Mamandia Inyang. Rose Mutombo a invité cette haute instance judiciaire à focaliser son attention sur les processus d'enquête aux fins de poursuite et de répression des agents de la coalition RDFM23 ainsi que toute autre personne impliquée à titre d'auteur ou des complices dans les actes et comportements illicites caractérisés des graves violations du droit international humanitaire et du droit international de droits de l'homme enregistrés entre 2022 et 2023. Les gouvernements de la RDC restent profondément préoccupés par les souffrances que subissent les populations de la partie de son territoire concernée par les actes faisant objet du présent renvoi. Ainsi, la RDC s'inscrit dans la dynamique de la cause de l'humanité pour lutter contre l'impunité des 10 crimes en recourant aux moyens civilisés, notamment par sa pleine et entière collaboration avec la Cour pénale internationale et faire en sorte que les auteurs des violations les plus graves de droits de l'homme et humanitaires répondent de leurs actes. Tête bien rasée, signe d'une initiation au métier des armes. Des milliers de nouvelles recrues, filles comme garçons, viennent d'agrandir le rang de forces armées de la République démocratique du Congo. En formation au centre d'instruction de la base militaire de Kitona, elles étaient hier en face du chef d'état-major général de FARDC. Dans sa causerie morale, le lieutenant général Christian Tshiwewe les a recommandés de bien défendre l'intégrité territoriale et d'assurer la sécurité des Congolais contre toute attaque d'où qu'elle vienne. Plus de précision dans ce reportage. En mission de commandement et de contrôle depuis le lundi 22 mai 2023 à la base militaire de Kitona, Congo central, le chef d'état-major général des FARDC a visité près de 10 000 recrues en formation au centre d'instruction de cette base militaire. Le mardi 23 mai 2023, il s'est adressé aux recrues et aux cadres instructeurs dans sa causerie morale organisée à la grande parade de Kitona. Le lieutenant général Tshio Isonge Sacrition leur a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi pour leur abnégation et leur épanouissement pour la patrie. Ensuite, le général Tshiwewe les a félicités pour la discipline, leur détermination de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, leur endurance et leur résilience pendant la formation. Promotion Guépard. Naligina komisanano mbote ya mokonzi ya mboka.
Nayaki kotala bino na monaki bino denge bozalaki lelo pe na moni bino denge bozali na moni changement eza na miso na bino elongi na bino ezwi poso mosusu na moni poso ya soldat armée eza na mission na yango suri obima poko presenter nini na mboka esengeli poko presenter eloko moko na mboka eloko wana se protéger la population et défendre l'intégrité. Soulignons que la visite du chef d'état-major général a pour objet l'évaluation des conditions de vie et de l'état de l'avancement de la formation des recrues. Bien avant sa prise de parole, le lieutenant général Ilunga Kampete Igraston, commandant de la base militaire de Kitona, a souhaité la bienvenue au chef d'état-major général et souligné les bons déroulements de la formation des recrues. Et puis, cette alerte, l'insécurité dans l'Est s'étend peu à peu vers l'Ouest de l'RDC sous l'accompagnement de quelques hommes politiques. L'alerte a été lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, lors de son point de presse. Peter Kazadi a aussi confirmé qu'il n'y aura aucun glissement et la tenue des élections aura bel et bien lieu cette année. D'autres précisions de cette conférence de presse avec Alain Bikay. D'entrée de jeu, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a fait le point sur la situation sécuritaire du pays qui reste dominée par l'occupation rwandaise. Maître Peter Kazadi a fastidié du fait de voir les violences de la partie est du pays s'exporter vers l'ouest, notamment dans la ville de Lubumbashi, dans les territoires de Kwamutu et à Kinshasa. Cette situation d'insécurité semble ressurgir dans la partie ouest où nous sommes aujourd'hui. L'insécurité à l'ouest du pays est effective avec les phénomènes Mobondo qui a connu sa naissance à Kwamut dans la province de Maïndombe. Ce phénomène s'est étendu dans la ville de Kinshasa et particulièrement dans la commune de Maroukou. Concernant les enjeux politiques, les patrons de la territoriale congolaise rassurent que les élections se tiendront dans les délais constitutionnels. J'affirme, pas avec force, mais avec conviction, que le gouvernement de la République entend apporter tous les moyens nécessaires pour que les élections aient lieu, sans passer par ce que nous appelons ici chez nous un quelconque glissement. Ensuite, Maître Peter Kazadi Kankoundé a déploré le traitement déséquilibré des informations liées à la marche de l'opposition du 20 mai dernier par certains médias occidentaux dans le seul but d'éternir l'image du pays. C'est vrai qu'il y a une violence. C'est vrai qu'on a violenté certains manifestants. Mais c'est aussi vrai que les manifestants ont violenté les forces de l'ordre. Certains médias, comme en international, n'ont pas relevé cet aspect des choses que le gouvernement de la République a condamné, le comportement de ces éléments de la police. Ces médias-là n'en ont pas fait état, puisque cela va contredire des contre-vérités qu'ils ont débitées en boucle sur leur chaîne. L'altercation entre Moïse Katumbi et les forces de l'ordre à l'entrée du Congo central a encore le VPM. Les gouverneurs de cette province ont largement expliqué quant au flou entretenu par le président de l'ensemble sur son agenda dans le Congo central. Agenda qui nécessitait au préalable un accord avec le comité pour la sécurité pour une meilleure prise en charge sécuritaire de cette délégation. L'escalade verbale n'en finit pas dans la province du Tanganyika et les tensions restent toujours vives entre les communautés. Trop, les collectifs de présidents des associations socioculturelles résidant à Kinshasa montent au créneau pour appeler à la paix entre les filles et fils de cette province. Ils se sont exprimés au micro de Ricky Nzuzuloya. On les écoute. Préoccupés par la sauvegarde de l'unité et de la paix entre nos communautés, dangereusement perturbé ces derniers jours par une escalade verbale entre acteurs politiques qui engagent à tort dans leurs propos et pour des motivations personnelles leurs communautés d'origine respectives, pourtant non concernées par leurs conflits, nous, membres du collectif des présidents
des associations socioculturelles et notables de la province du Tanganyika, résidant à Kinshasa, faisons la déclaration ci-après. Depuis des temps immémoriaux, nos communautés occupant les 6 territoires de la province du Tanganyika, à savoir Kabalo, Kalemi, Kongolo, Manono, Moba et Nyunzu, ont toujours vécu en paix et en bonne intelligence, condamnant de la manière la plus ferme la prolifération des discours séparatistes et haineux, et surtout l'instrumentalisation de nos communautés pour des intérêts sectaires et égoïstes. Demandons instamment à nos frères et sœurs vivant au Tanganyika de ne pas céder au chantage et autres manipulations des personnes en quête de positionnement dans le but de semer le chaos et les troubles dans une province qui peine à maintenir son équilibre socio-économique. Invitons nos frères et sœurs à ne pas transposer leurs conflits personnels à leurs communautés respectives. Lançons une mise en garde sévère à tous les acteurs politiques de ne pas utiliser le Tanganyika comme champ d'expérimentation de leurs pratiques subversives. Invitons humblement, d'une part, les honorables députés provinciaux et nationaux, ainsi que les sénateurs, à relayer ce message, et d'autre part, les responsables des églises, ainsi que d'autres acteurs de la société civile, à agir de même. Et pour terminer, nous en appelons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la paix et de l'unité nationale, à bien vouloir avoir un œil regardant sur la province du Tanganyika, province partageant la frontière avec deux pays, à savoir la Tanzanie et la Zambie. Ouverture depuis hier du Forum international RDC Kenya dans le secteur maritime. Une mission d'affaires et d'investissement du Kenya séjourne à Kinshasa. Moment propice pour le directeur général de l'île maritime congolaise de présenter les opportunités d'affaires qu'offre son pays dans ce secteur. C'est un reportage de Chimendondo. Kinshasa accueille les astuces de la mission d'affaires et d'investissement du Kenya en République démocratique du Congo, devant la délégation des officiels de la RDC et celle du Kenya, l'ambassadeur de la République kenyane en RDC, Georges Massafou, salue la qualité de service entre les deux pays. Engagé dans le processus d'imitation profonde de son exploitation maritime, axée jusque-là sur l'Europe du Nord, pour le redéployer vers le Far Est, pour LMC, le port de Mombasa est une entrée importante pour la rentabilisation des connexions maritimes, a reconnu le directeur général de l'Union maritime congolaise. Notre armement national, l'Union maritime congolaise, est disposé à mettre en profit son expertise accumulée dans les domaines de l'exploitation maritime et à participer au transport du trafic généré par le développement des affaires entre la République du Kenya et la République démocratique du Congo. Avec les opportunités d'affaires qui s'offrent dans le secteur du transport maritime et multimodal, l'armement national s'est dit disposé à accompagner toutes les sociétés à l'import comme à l'export. C'est par un tête-à-tête entre le directeur général de LMC, Jean-Claude Mukenzi Mbiamwiza, et l'ambassadeur du Kenya en RDC, Georges Massafou, et le chef de délégation de Nairobi notamment, le délégué du ministère kenyan de l'Industrie, que cette journée s'est clôturée. Le ministre des Hydrocarbures, au milieu des étudiants à l'université de Kinshasa, Didier Boudimbouk, accompagné de son adjointe Wivine Moleka devant ses élites, s'expliquait sur les impacts socio-économiques de la vente des blocs pétroliers et gaziers. Cette conférence est la première du genre organisée à la colline inspirée, comme nous dit Jean-Richard Coilet. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbouk, accompagné de la vice-ministre Wivine Moleka, a donné de la lumière sur un certain nombre des préoccupations des étudiants du secteur pétrolier de trois institutions, l'Université de Kinshasa, l'Institut du pétrole et du gaz, ainsi que l'Université franco-américaine. Les étudiants qui cherchaient à mieux cerner la question du processus de l'appel d'offres lancé l'année dernière sur son impact socio-économique ne pouvaient pas s'y prendre autrement qu'en posant de multiples questions à qui de droit. Didier Boudimbou s'est livré à cet exercice
pour expliquer la valorisation du secteur pétrolier et gazier sur le thème « Impact socio-économique et industriel de l'exploitation des hydrocarbures sur les 27 blocs pétroliers et les 3 gaziers ». J'ai vu qu'ils ont l'amour de leur pays, ils ont la passion de leur formation, de ce qu'ils ont choisi comme métier. Et je pense qu'ils pourront relever le défi après nous, ils vont bien le faire. Par cette même occasion, les étudiants de l'UNIKIN de la faculté du pétrole et gaz ont décerné au ministre un trophée de l'homme qui rassure et donne l'espoir aux étudiants de persévérer dans ce secteur. À son tour, le ministre s'est engagé à contribuer à la réhabilitation du laboratoire des étudiants avec une dotation du matériel didactique. Didier Boudimbou est le tout premier ministre des hydrocarbures à avoir organisé un échange avec les étudiants du pétrole et gaz des institutions supérieures. Développement d'une industrie financière compétitive, innovante et inclusive, sujet longuement débattu au cours d'un forum du secteur financier organisé par l'entreprise RDC Stratégie en collaboration avec le ministère de Finances. D'autres précisions dans ce reportage de Merveille Mukoum. Ces forums du secteur financier s'est clôturé avec succès ce mercredi 24 mai au chapiteau de l'hôtel Pullman de Kinshasa. C'est autour du thème « Développement d'une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et durable » que les participants s'y sont entretenus. Organisé du 23 au 24 mai 2023, ces forums ont réuni plusieurs acteurs économiques de la place, principalement les opérateurs du secteur des assurances, des réassurances, les délégués de banques, des microfinances ainsi que ceux du gouvernement. Pour le président de RDC Stratégie, les différentes parties prenantes devraient capitaliser les idées novatrices qui en découlent pour une finance plus innovante. Ici, nous sommes en train de créer ce dialogue bilingue entre public-privé, privé-privé et public-public. Donc c'est pour que nous puissions trouver des solutions, surtout dans tout ce qui est opérationnel, et permettre à ce que le secteur financier, qui est un secteur clé pour l'émergence de la RDC, puisse être aujourd'hui être innové. Cette édition a été également caractérisée par des panels traitant sur des thématiques spécifiques, notamment les enjeux de la lutte contre la corruption, les détournements et les blanchiments des capitaux, l'expérience de la RDC en matière des assurances obligatoires. Kennedy Katassi, représentant et conseiller du ministre de Finances en charge des assurances, a insisté sur la culture et les innovations dans ces secteurs. Nous avons loué l'initiative parce que ce sont des plateaux comme ça que permet au ministère des Finances, dans sa politique de la sensibilisation et de la vulgarisation de certaines assurances, de profiter à sensibiliser, de continuer à sensibiliser et à vulgariser le commun des mortels, les étudiants, par rapport à l'importance des questions assurantielles. Le ministère des Finances continuera à apporter son soutien à toutes les initiatives qui permettra au développement de certains financiers. Les conclusions de ces travaux de deux jours seront réunies dans un ouvrage cadre qui sera remis aux acteurs du secteur financier dans l'ensemble et au gouvernement. Promotion de droits humains, de loi portant protection de l'enfant et violences sexuelles. C'est autour de cette thématique que les jeunes qui nous renforcent leur capacité au cours d'un atelier de plusieurs jours organisé dans la capitale. Regardez. L'éducation aux droits de l'homme est une stratégie importante pour assurer une participation significative et efficace des jeunes. Cet atelier de renforcement de capacité des jeunes sur la promotion des droits humains, de loi portant protection de l'enfant, violences sexuelles, les managements et la gestion des ONG et du code du numérique organisé par la Jeunesse Action pour le Progrès vise à permettre aux jeunes de comprendre les droits humains, question de faire respecter les droits fondamentaux et ceux des autres. Cet atelier, les jeunes eux-mêmes l'ont démontré par leur participation active à cet atelier. Nous pouvons croire que d'ici la clôture de cet atelier, les compétences des jeunes seront renforcées et seront enrichies. À en croire Jean-Claude Katende, le numéro 1 de la SADO, Association africaine de droits humains, l'un des formateurs. La jeunesse kinoise sera à l'issue de cette formation bien outillée dans la défense de ses droits. L'objectif que nous avons, c'est de renforcer les capacités des jeunes en termes de droits de l'homme pour qu'à l'issue de cette formation, ils soient des véritables défenseurs des droits humains. C'est-à-dire les gens qui connaissent les droits de l'homme et qui sont prêts à pouvoir
en assurer la promotion et la protection à travers la ville de Kinshasa, mais pourquoi pas à travers toute la République. La tenue de cet atelier vise à résoudre les difficultés auxquelles font face les jeunes au sujet de la promotion et la protection des droits humains et autres. Lutte contre la criminalité et la fraude dans le domaine de forêt, l'RDC tourne son regard vers le Gabon. Kinshasa, représenté par l'Agence de prévention de lutte contre la corruption, appelle C et une délégation gabonaise en atelier de partage d'expérience en la matière. Objectif, mettre fin à l'exploitation illicite de ressources naturelles aux frontières. D'autres précisions sur ces images de José Dimonekine. Épris d'expérience de plus de 15 ans dans la pratique de la bonne gestion des forêts, le Gabon, à travers l'Agence des Nations Unies contre la drogue et la corruption, partage son expérience avec les RDC, représentée par l'Agence des prévention de lutte contre la corruption. Au cours de cet atelier des deux jours, dont les membres seront répartis en atelier, il sera question de mettre en place tous les mécanismes juridiques nécessaires pour réduire la criminalité en matière faunique et forestière en RDC, a précisé les coordonnateurs de l'appel C, Thierry Mboulamoko. Avec nos homologues du Gabon, avec l'appui de l'ONU d'ici, nous avons décidé de travailler ensemble, d'échanger, parce qu'ils ont des bonnes pratiques dans la gestion des forêts, en termes de fiscalité par exemple, en termes de traçabilité. Et l'atelier nous permet aujourd'hui d'échanger et de voir dans quelle mesure assurer une meilleure gestion, mais également lutter contre la corruption dans le secteur forestier. Le participant s'est aussi sensibilisé sur les risques de corruption liés à l'exploitation forestière illégale. Le Gabon ayant une politique environnementale très poussée dans le domaine environnemental par notre chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, avec son Excellence Félix Tshisekedi, la volonté d'améliorer la gouvernance du secteur en RDC. En même temps, ce que nous faisons au pays, les textes que nous prenons, les dispositions que nous prenons pour vaincre la corruption, et écouter ce qui se fait également au Congo, afin qu'ensemble, ce fléau soit combattu. Au terme de cet atelier, l'RDC aura un personnel aguerri capable de traquer tous les auteurs qui opèrent dans la pratique de la sortie frauduleuse des espèces rares en RDC. Je le disais au sommaire, lutte pour l'égalité du genre, une série de campagnes de sensibilisation sera lancée dans les prochaines heures en RDC dans le cadre du programme Unis sur l'égalité du genre. Information livrée par la ministre des tutelles au cours d'un atelier organisé par l'ONU Femmes. Atelier organisé à Kinshasa, Mamita Bangoulou pour les explications. Les interventions qui se sont succédées lors du lancement officiel du projet Unis pour l'égalité du genre ont donné l'occasion aux partenaires du gouvernement congolais, spécialement l'ONU Femmes, d'apporter une pierre de contribution dans cette lutte consacrée à l'égalité du genre. La commission genre au sein de l'Union européenne a consenti à appuyer les institutions de la République démocratique du Congo. Pour les cas d'espèce, l'honneur a été accordé au ministère du genre qui a la responsabilité de promouvoir et veiller sur l'engagement de chefs de l'État champions de la masculinité positive en vue de combattre toute forme de violence basée sur le genre. Les chefs d'État et des gouvernements des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, préoccupés par le fait que l'incidence des violences sexuelles basées sur les genres se sont engagés d'une part et de l'autre côté, lancer des campagnes nationales sur la tolérance zéro immédiate envers les violences. La patronne du genre veut s'impliquer en fond. Ce projet Unis pour l'égalité du genre a également souligné l'importance de mettre fin à l'impunité en infligeant les sanctions appropriées aux acteurs de ces actes ignobles. C'est le moyen de protéger et garantir le valeur de l'égalité du genre. Et pour finir, les cicatrices sont moins visibles. Diminution des complications post-opératoires, pas d'éventration, moins de risques d'infection, autant d'avantages qu'offre aujourd'hui la cœliochirurgie. Ces avantages ont été présentés au personnel médical de la Radio-Télévision nationale congolaise par une délégation de médecins venus d'Europe au cours d'une matinée d'informations. Rodé Panda nous en dit plus. Dans le cadre d'échanges d'informations sur la médecine d'ici et d'ailleurs, une équipe composée de professionnels médicaux, médecins et infirmières est en mission à Kinshasa
pour le partage d'expériences avec les corps médicaux de différentes filières du domaine de la santé. Dans ces calendriers a figuré aussi la polyclinique de la RTNC. Ainsi a été organisée sous la direction du docteur Jean-Robert Nzamouchier, chirurgien général et digestif, chef de service au centre hospitalier d'urgence de Lille, assisté d'une infirmière, tous deux évoluant en France. Une journée d'information sur la celloscopie, qui est une chirurgie mini-invasive consistant à faire une petite ouverture sur le corps lors de l'opération au lieu d'une grande ouverture. Avec le personnel médical de la RTNC, le docteur Nzamouchier a tenu à décomplexer les personnels soignants de la RTNC sur la pratique de ces chirurgies. Nous avons trouvé des besoins qui sont réels et abondants et notre envie c'est, avec ce que nous pouvons, de pouvoir aider nos compatriotes congolais à pouvoir faire face à ces défis. Nolwenn Riou a informé ses collègues de ce que l'infirmière fait en Europe aux côtés des médecins pendant le service spécifique d'intervention chirurgicale. Elle s'est réjouie de l'intérêt approuvé par le groupe de médecins et infirmiers de la RTNC. Ça a été vraiment un échange très constructif. Et je trouve qu'ils ont tous été avec une soif d'apprendre et c'est très positif, vraiment. Il s'est de préciser qu'au-delà du partage et échange d'informations, l'équipe du docteur Nzamouchier a noté le besoin matériel de cette polyclinique. Il a promis sa contribution prochainement, mais en attendant, il voudrait s'impliquer pour faire fonctionner les appareils déjà disponibles à la RTNC, mais non utilisés. Des cantines. Des cantiques de louanges au son des fanfares résonnent déjà depuis ce matin dans plusieurs temples des églises kimbanguistes. Aujourd'hui, 25 mai, le fidèle kimbanguiste dans leur uniforme blanc et vert célèbre la fête de Noël. Nous souhaitons bonne fête à tous les kimbanguistes. Mesdames et messieurs, c'est par ces souhaits que nous bouclons ce journal de 7 heures. Journal réalisé par Papi Nginama ou Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Joël Mpiangou, Gédéon Kola, Emile Zola, Discover Mpungo et Ruben Kumbu. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 et Mendaya. Moi, je reviens demain à la même heure. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.